Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous avons commencé le carême hier, mercredi des cendres, ce temps de carême qui est un temps de conversion. Un temps de conversion et que l'Église nous fait vivre en nous donnant des textes propres à la messe de chaque jour. C'est-à-dire que les saints que nous fêtons généralement au cours de l'année, passent en deuxième plan, ils sont mis en mémoire, n'est-ce pas? Donc ce qui compte jusqu'à Pâques, c'est le temporal, c'est-à-dire donc ces messes propres pour chaque jour du carême jusqu'à Pâques. Donc les saints seront seulement mis en mémoire. Ce temps est bien de conversion au cours duquel nous allons découvrir la miséricorde de Dieu. Car ce que le Seigneur est venu faire, c'est sauver ce qui était perdu. Sauver ce qui était perdu, guérir les malades, nous racheter de nos péchés. Pendant ce temps de carême, nous sommes invités à un examen de conscience pour voir nos péchés, voir ce qui ne va pas dans notre vie et nous tourner vers le Seigneur. Parce que devant ce péché que nous voyons, devant nos misères, nous avons deux options, soit de nous désespérer et de désespérer tout simplement, ou bien de nous tourner vers la miséricorde. Nous avons deux options, on n'a pas d'autre. Soit je reste avec mon péché et je me morfonds dans le péché et ceci me démolit littéralement. Ça me conduit très très loin, dans la haine de moi-même, dans la haine des autres. Ou bien ce péché me permet de me tourner vers la miséricorde, vers celui qui pardonne les péchés, qui est mort pour la croix à cause de mes péchés. Donc au cours de ce carême, nous sommes invités à décider ce que nous voulons, ou bien à rester avec notre misère et toujours en parler, à en revenir dessus, ou bien nous tourner vers la miséricorde, celui qui est venu pour sauver ce qui était perdu. Et donc ici, c'est ce que nous avons dans ces lectures, Ézéchias est atteint d'une maladie mortelle, comme nous, le péché. C'est une maladie mortelle, le péché. Eh bien, Ézéchias, que va faire Ézéchias? Il va se tourner vers le Seigneur. Seigneur, souviens-toi donc que j'ai marché en ta présence, avec fidélité de tout mon cœur, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Aie pitié de moi, aie pitié de ma vie qui s'en va, aie pitié de moi. Il se tourne vers le Seigneur, il prie, au lieu de se désespérer de cette maladie mortelle, il se tourne vers le Seigneur, il se convertit. Se convertir, c'est-à-dire se tourner vers le Seigneur. Et que fait le Seigneur? J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais rajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai de la main du roi des Assyriens et je protégerai cette ville. Parce que le Seigneur fait miséricorde. Alors, eh bien, chers frères, en ce début de carême, eh bien, qu'allons-nous faire de ces misères qui sont les nôtres et que nous connaissons, et celles que nous ne connaissons pas d'ailleurs, qui sont bien tapies au fond de nous-mêmes? Eh bien, nous allons les présenter au Seigneur, nous allons nous tourner vers lui. Et c'est pour ça que le premier moyen que nous donne l'Église, c'est la prière, plus de prière pendant le carême, plus de prière, plus de silence, plus de solitude, plus d'oraison, plus de lecture spirituelle, plus de lecture de l'Évangile, plus de prière, parce que c'est ça se tourner vers Dieu. Et le Seigneur nous fera miséricorde, parce qu'il a des grâces innombrables à nous donner. Mais est-ce que nous y croyons vraiment? Est-ce que nous y croyons vraiment? Eh bien, si nous n'y croyons pas, c'est le moment de demander pardon à Jésus pour cela et de se tourner vers lui. C'est ça le carême, c'est se convertir, nous tourner vers la source de la miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.